Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à la Semaine Éco. Cette année, il a très peu plu. Nous avons eu un hiver plutôt doux, des averses rares dans plusieurs wilayas, un phénomène qui a énormément inquiété bon nombre d'Algériens, qu'ils soient spécialistes ou non du secteur de l'agriculture et des forêts, s'inquiètent de ce manque de pluie. Le taux de pluviométrie a été très faible jusque-là, en tout cas. Ce sont les récoltes et les activités d'élevage qui en souffrent en priorité, bien entendu, notamment les grandes cultures qui sont déjà assez fragiles pour un certain nombre de raisons. Pourtant, le problème du stress hydrique ou du manque de pluviométrie est une menace qui ne date pas d'hier, en tout cas pour l'Algérie. L'Algérie n'est pas épargnée par le phénomène de réchauffement climatique et nos chercheurs le savent bien. Alors, quels sont les moyens aujourd'hui pour adapter les plantations, les cultures à ce paramètre qui est le manque de pluviométrie? Y a-t-il une possibilité de semer des graines qui résistent au manque de pluie et donc continuer à avoir des récoltes optimisées, notamment lorsqu'on parle des grandes cultures, encore une fois. C'est le débat qu'on vous propose de suivre et les questions auxquelles nos invités vont répondre et vous éclairer. Monsieur Zerben Omar, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ITGC, qui est l'Institut technique des grandes cultures. À votre côté, docteur Bachir Kadik, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Kadik Bachir, vous êtes expert en forêt, agriculture et biodiversité. Vous avez participé à la Convention internationale pour la biodiversité au nom du ministère de l'Agriculture. Vous avez occupé le poste de directeur de l'INRF, qui est l'Institut national des ressources de la recherche forestière, également directeur de l'Agence nationale de conservation de la nature. Monsieur Dr Djebar Reda, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur d'État en biologie végétale, maître de conférence et directeur de recherche à l'USTHB, l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene. Le stress hydrique ou le manque de pluviométrie, ce sont deux concepts qui, semble-t-il, sont différents. On va justement avoir l'occasion au cours du débat pour faire la différence, vous faire faire la différence entre les deux. N'est pas une affaire de conjoncture, ça ne date pas de cette année. Cela risque d'être l'un des défis majeurs pour l'Algérie à l'horizon des décennies qui vont arriver. Selon une étude établie par le World Resource Institute, l'Algérie figure dans la liste des 30 premiers pays qui auront d'ici à 2040 à subir de graves pénuries en eau. C'est les résultats en tout cas de ce centre de recherche américain qui évoque également les risques d'instabilité que peuvent encourir les pays de l'Afrique du Nord dû au manque de pluviométrie. Je vous propose de suivre plus de détails par rapport à cette recherche et par rapport aux données qu'elle a communiquées dans ce commentaire réalisé à Bouchra Bouali. L'Algérie aura à affronter de graves pénuries d'eau d'ici 2040, à en croire le rapport du World Resources Institute, un think tank américain spécialisé dans les questions environnementales. Notre pays est d'ailleurs classé 30e sur les 33 pays qui pourraient être soumis à un stress hydrique extrême, un concept défini par une disponibilité en eau inférieure à 1700 m3 par habitant et par an, ne suffisant pas de ce fait à couvrir les besoins des utilisateurs. Les chiffres sont alarmants. Un pays sur cinq dans le monde souffrira de stress hydrique. Les pays les plus exposés sont ceux du Moyen-Orient, au nombre de 14, rien que dans cette région du globe. De même, les États-Unis, notamment sur la côte ouest, la Chine au nord, ou encore l'Inde et l'Australie verront de larges parties de leur territoire soumis à de graves pénuries. Face à ce phénomène qui menace la sécurité alimentaire de nombreux pays et vu la nature de son climat, l'Algérie a consenti de grands efforts en matière de gestion de la ressource hydrique et a pris les devants en optant pour le dessalement d'eau de mer ou encore la réalisation de nouveaux barrages. En dépit de tout ce qui a été fait, les experts pensent qu'il faut anticiper davantage pour mieux s'adapter et faire face au stress hydrique en Algérie. Pour les spécialistes, dans un pays où l'agriculture absorbe 70% des ressources hydriques disponibles, il est temps d'inciter à une croissance plus modérée de l'agriculture et penser au développement d'autres activités en milieu rural. D'autant que les changements climatiques ont un effet direct sur l'évaporation des lacs et des barrages, sans compter le problème de l'accentuation de l'envasement, dont le taux a pratiquement doublé en 20 ans d'exploitation. L'environnement nord-africain, classé parmi les plus sensibles au réchauffement climatique, l'urbanisation accélérée avec un étalement urbain insoutenable, la démographie et la faiblesse de la gestion de la demande font craindre le pire sur le plan socio-économique.
L'accroissement de la population mondiale entraînera inéluctablement une augmentation des besoins en eau, ce qui accentuera le stress hydrique, qui conduira à son tour certains pays à renoncer par exemple à certaines productions agricoles et renforceront de fait leur dépendance aux importations. Cependant, tout n'est pas complètement perdu. Les pays en proie au stress hydrique ont quand même des chances d'inverser la vapeur et devenir moins sujets à ce phénomène. Cela dépend pour beaucoup de leur capacité à faire face aux risques élevés auxquels ils sont confrontés en prenant les mesures d'atténuation ou d'adaptation nécessaires. On écoutait donc en début de ce commentaire réalisé par Bouchra Bouali que l'Algérie était classée 30e sur 33 pays pays qui allait donc souffrir à l'horizon de 2040 de manque de pluviométrie. Est-ce que selon vous ce classement est à juste titre ou bien est-il est-ce que ces données sont en adéquation avec les réalités du terrain? Moi je pense que l'Algérie, étant un pays situé en zone méditerranéenne, subit double influence, une influence méditerranéenne et une influence aérienne. Donc ces problèmes un petit peu de variation de pluviométrie, de variation de climat, etc., est tout à fait normal dans le contexte biogéographique dans lequel nous sommes. Donc ça, c'est un problème important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de quand même... le problème fondamental aussi, c'est qu'on n'a jamais tenu compte de cette question. Par exemple, je prends le cas de la steppe, par exemple. La steppe est en train de se dégrader à une vitesse astronomique. Et pourtant, dans la steppe, on sait qu'il y avait un phénomène de transhumance où les troupeaux allaient de nord vers le sud sans dégrader beaucoup la végétation. Mais actuellement, le cheptel est stationné dans un endroit et il est en train de, si vous voulez, de complètement de détruire, entre guillemets, la végétation, et donc le renouvellement de cette végétation est remis en cause. Est-ce que les raisons sont liées à la biodiversité? Est-ce que les raisons sont liées au manque de pluviométrie, justement? Non, la pluviométrie est importante. Je ne sais pas si vous avez fait une bibliographie. Les années 40, c'était exactement la même chose. Les années 40, l'Algérie avait, vous prenez la bibliographie, l'Algérie était en situation catastrophique. Il n'y a pas de production et nous avons vécu, nous sommes en train de vivre la même situation. Mais avec tous ces éléments qu'on a depuis X temps, avec le contexte pluviométrique qu'on a, nous savons que l'Algérie est un pays où il y a un climat instable, où la pluviométrie est parfois très agressive, le problème d'érosion, le problème de désertification, etc. Mais l'homme doit réagir. On a quand même maintenant des données qui nous permettent un petit peu de réagir et de discipliner les interventions. Justement, à propos de réaction, on va aller de plus en détail au cours du débat. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a de fortes chances, à l'horizon 2040, de connaître une sécheresse telle que décrite par les données de cet institut? C'est difficile de se prononcer à ce sujet. Bon, ça reste une étude, ça reste des hypothèses qui peut se vérifier ou ne pas se vérifier d'ici pratiquement 25 ans, donc d'ici 2040. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que on a toujours été, comme vient de le dire Dr Kadik, on a toujours été soumis à un climat qui était instable totalement. Si je prends les trois dernières années, les deux dernières années, celle-ci, 2013-2014, 2014-2015 et aujourd'hui. Nous avons eu des conditions pluviométriques ou climatiques très favorables depuis septembre jusqu'au 31 mars. Arrive la période sensible des grandes cultures, des céréales, avril et mai, pratiquement un déficit de plus de 60% en eau pour les deux campagnes. Cette année, c'est totalement différent. Nous avons un déficit hydrique précoce, très précoce, qui a démarré au mois de novembre, décembre, janvier, et ça continue au mois de février. Donc c'est complètement instable, et ça peut, actuellement aujourd'hui, ça pose problème. Maintenant, mais juste avant on a eu 5 années, disons, on va dire, assez favorables, et même très favorables, où on a pu produire, on a vu un climat qui était, on va dire,
presque stable, mmh. où la pluviométrie était bien répartie, distribuée. Donc, pluviométrie en dents de scie, on va dire. En dents de scie, d'une année à une autre, complètement différente. Mmh. Au cours de l'année, entre les mois, complètement différente. Mmh. Et ça, ça vient, comme vient de le dire aussi notre ami Kadik, des influences, qu'elles soient méditerranéennes, mais plus sahariennes. Parce qu'ils viennent du continent africain. Parce qu'on a 2 millions d'hectares, 2 millions de kilomètres carrés de désert. Et ça a une influence parce que ça vient et ça, à un certain moment, ça a remonté jusqu'en Europe. Et donc, ça influe énormément sur l'agriculture, la démographie, l'industrie, les ressources hydriques, le développement du cheptel, ça agit sur tout. Parce que comme on dit, sans eau, il n'y a pas de vie. On parle de stress hydrique ou de manque de pluviométrie. Est-ce qu'il y a une différence déjà pour nous remettre les pendules à l'heure? Merci d'avoir évoqué cela, justement. C'était l'objet de mon courrier, justement. C'était le premier cours. Et maintenant, à l'université de... À l'université de Babzor, faculté des sciences biologiques. Ça me donne l'occasion de corriger justement. Je me suis souvent, je suis en face de la télé, même pour les bulletins météo des télévisions étrangères. Française plus particulièrement, il parle de stress hydrique alors qu'il devrait parler de déficit hydrique. Mmh. Stress hydrique, c'est lorsqu'on parle d'organismes vivants qui subissent un déficit hydrique. On parle de stress hydrique. Là, la terminologie exacte, c'était déficit hydrique. Lorsqu'on parle de déficit hydrique, c'est entre les apports et l'étudiant, c'est entre l'offre et la demande. Mmh. C'est entre, par exemple, donc c'est entre les apports par les pluies, l'exploitation de ces eaux-là. Si c'est un bilan négatif, on va parler de déficit. Voilà. Mmh. Maintenant, chaque chose a sa terminologie. Lorsqu'on parle... Et selon vous, justement, une fois que la terminologie a été redéfinie, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie est en train de devenir un pays semi-aride à travers justement la bibliographie, c'est-à-dire à travers les années, ou bien est-ce que ce que nous vivons cette année, selon vous, est un épiphénomène? Oui, c'est trop tôt pour en parler. Lorsqu'on parle des adieux sécheresses aussi, il faut replacer les mots dans leur définition propre. Si on parle de sécheresse du point de vue, alors la sécheresse elle peut être définie du point de vue hydrologique, c'est lorsque les ressources hydriques sont en deçà de ce qu'on attendait. Il y a ce qu'on appelle la sécheresse agricole, c'est lorsque les récoltes sont moindres que la moyenne. Et vous avez la sécheresse météorologique, c'est lorsque la quantité de pluie est inférieure à la moyenne habituelle qui est normale, qui est calculée sur 25 à 30 ans. Voilà, donc nous, je suppose qu'on est en train de parler de sécheresse météorologique. Mmh. Effectivement, la moyenne jusqu'à présent, elle doit être inférieure à la moyenne normale. Et il ne faut pas anticiper, parce qu'il y a des périodes, des années sèches, il y a des périodes sèches. Maintenant, anticiper sur l'avenir, dire qu'on est entré dans une période de sécheresse, je pense que là, il ne faut pas aller, on va vite en besogne. Lorsque il est dit que dans les 25-30 ans, donc l'Algérie risque d'avoir de gros problèmes à ce niveau-là, l'Algérie fait partie donc du pourtour méditerranéen. C'est connu que elle est dans une situation effectivement de vulnérabilité par rapport au changement climatique, parce que le climat lui-même il est assez précaire. On est en équilibre, et c'est connu. Dans l'attente finalement, dans l'attente qu'il pleuvra ou ne pleuvra. Voilà, il y a un équilibre entre les... C'est juste, on va dire, l'Algérie, c'est quoi du point de vue... on a une grande zone désertique. Nous avons les plateaux, les hautes plaines, nous avons une bande très fine, littorale. C'est là où nous avons une pluviosité assez appréciable. Mmh. Mais c'est soumis aux aléas climatiques. Il y a des années sèches, comme il y a des... Mais là, je pense que l'inquiétude cette année, c'est que c'est presque au niveau mondial. On a enregistré des records de température. Mmh. Il n'y a pas eu de neige dans des endroits où il neigeait auparavant. C'est ça qui fait que l'inquiétude est croissante. C'est pour ça que les gens se posent des questions. Et les gens aussi parlent de fameux réchauffement climatique sur lequel qui abandonne finalement et sur lequel on met sur le compte duquel on met énormément de choses, notamment des années avec plus de pluie, moins de pluie. Est-ce qu'on a raison de dire aujourd'hui que cette année avec peu de pluie, le résultat d'un réchauffement? Si vous permettez, c'est-à-dire que le changement climatique, il est dû aussi à l'homme.
tant qu'on n'aura pas exploité rationnellement, sur des bases techniques et scientifiques, le monde de territoire, nous ne pourrons pas réagir contre le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est devenu un leitmotiv, tout le monde vous dit, quand il y a un problème, c'est le changement climatique. Mais on n'a pas de données qui nous permettent de dire, il faut d'abord qu'on commence un petit peu à gérer le pays, à gérer l'agriculture, à gérer les forêts, à gérer le littoral aussi. Dans tous ces espaces-là, on a des institutions partout. Mais en définitive, quand vous sortez sur le terrain, vous avez peur de voir. Moi, j'étais à Boumerdès quand j'ai vu que toute la mer est en train d'être consommée par l'eau. C'est catastrophique. Mm-hmm. Où sont les institutions? Moi, je pense que c'est pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par la mer? C'est pas une question... C'est pas une question... Vous parlez du phénomène d'érosion? Problème d'érosion. Alors, je vais vous parler des problèmes d'érosion. Vous savez qu'en Algérie, rapidement, pour revenir à la question des cultures. Mais c'est lié, hein, vous voyez, parce que le problème du changement climatique est lié aussi au problème des barrages. Les barrages qui ne se remplissent pas assez. Mmh. Et donc, moi je pense que vers les années 1930-1940, il y avait, au temps de la colonisation, tout un programme pour lutter contre la dégradation et l'érosion hydrique qui se fait au niveau des montagnes. Donc ça c'était important, parce que pourquoi? Ce n'était pas pour le bienfait de l'Algérie, parce que la plupart des colons étaient installés en plaine et les barrages devenaient de moins en moins, pouvaient approvisionner. Et donc ils ont lancé toute une politique, mais en définitive ça n'a rien donné, au contraire. Et au contraire, ça n'a rien donné, parce qu'on a un peu imité les États-Unis. Les États-Unis en 1930 aussi, vers 1940, 1935, ils ont fait aussi une politique un petit peu, parce que la politique de terre brûlée, ça a provoqué des phénomènes d'ensablement. Des villes entières ont été ensablées. Mm-hmm. Et donc on a appelé les Américains, je me rappelle, j'ai la bibliographie, 1940-45, on a appelé un grand responsable de mer pour voir un petit peu, ils ont commencé à dégrader complètement le milieu. Tout ça pour dire que chaque secteur, agriculture, forêt, etc., doit être géré. Pour revenir aux cultures aujourd'hui, quelles sont les cultures qui souffrent prioritairement du manque de pluviométrie? Quels sont les types de cultures qui en souffrent le plus? Ce sont toutes les cultures qui sont conduites en conditions pluviales. C'est-à-dire qu'ils ne comptent que sur la pluie et non pas l'irrigation, l'irrigation mécanique. Exactement. Mm-hmm. Les cultures maraîchères sont toutes conduites en irriguée parce que c'est de l'intensif, c'est des cultures à forte valeur ajoutée, donc comme la pomme de terre, la tomate, etc. Donc le maraîcher n'est pas touché par les aléas de pluviométrie. L'arboriculture, c'est la même chose. Tout ce qui a été mis en place et développé dans le cadre des programmes de développement du ministre de l'Agriculture sont en intensif aussi, avec des réseaux d'irrigation goutte à goutte, économiseurs d'eau. C'est l'une des techniques vers laquelle il faut aller pour mieux valoriser tout le potentiel hydrique dont nous disposons. Une technique qu'on a eu l'occasion de voir en image dans le reportage tout à l'heure. L'agriculteur qui était en train d'arranger, parce que c'est l'arbre. Une distribution intelligente. C'est au niveau de l'arbre, en goutte à goutte. Donc, pas de déperdition, à condition que ce soit bien géré, comme vous disiez tout à l'heure, par l'agriculteur, où il voit les pertes, il suit son système, etc., pour pouvoir valoriser au mieux le peu d'eau qu'il a au niveau de sa retenue collinaire, ou là, au niveau de sa bâche à eau, là, etc. Mm-hmm. Mais les cultures céréalières sont à 85% conduites en pluvial. C'est 3,5 millions d'hectares annuellement semés, et c'est à peu près 240 000 hectares qui sont irrigués, que ce soit au sud ou là au niveau de la zone nord. Sur les 3,5 millions. Et ce sont les légumineuses alimentaires aussi, c'est 100 000 hectares à peu près qui sont mis en place. Et c'est aussi donc les cultures fourragères en ensemence en moyenne 500 000 hectares. Ce sont des cultures qui ont besoin d'eau. Si vous prenez les céréales, le blé, c'est entre 450 et 600 mm d'eau. Il a besoin sur l'année. Et il y a des périodes où il est le plus sensible, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, durant le mois d'avril. À partir du moment où les températures commencent à grimper, c'est au mois de mars, avril et mai, où le grain se fabrique, le rendement se fabrique, et là, il a besoin d'eau. Actuellement, est-ce que vous avez une idée sur éventuellement des pertes? Est-ce que la saison, Moisson Battage, se terminera avec des pertes lorsqu'on parle de grandes cultures étant aussi dépendantes? Non, on ne va pas parler de pertes, on va parler de rendements faibles.
plutôt que de perte. C'est-à-dire que si d'habitude le rendement moyen qui m'a l'année passée ou les deux années précédentes, malgré la faible pluviométrie qui est au mois de mai, mois d'avril et mai, on était autour de 14 jusqu'à 16 quelques hectares. Cette année, si ça continue, ça, inchallah, mes couches, hal, mais avec le déficit hydrique qu'on connaît aujourd'hui, le rendement sera plus faible. Mais on ne peut pas les quantifier au jour d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas l'identifier, on ne peut pas estimer le rendement qu'il va y avoir. Mm-hmm. D'abord, il faut connaître quelles vont être les superficies qui vont être carrées, complètement détruites. Parce que si ça dure, à l'ouest, ça dure quand même depuis 3 mois. Il y a quand même des superficies qui ont été sinistrées, je dirais. Mm-hmm. Mais pour tout ce qui donc, est... ce sont des pertes, ça consiste. Oui, ce sont des pertes, mais on ne peut pas les estimer aujourd'hui, les quantifier. Mm-hmm. Par contre, à l'est, la situation est stable, ça va, il y a eu des pluies, il y a eu même un peu de neige. Au centre aujourd'hui, c'est vrai aussi, ça va. Bon, quand je parle du centre, c'est du nord au sud. Hein. Mm-hmm. Donc, ça va. Mais l'ouest, il souffre beaucoup plus que le centre et que l'est, que le reste du pays. Mais il faut attendre d'abord voir ce qu'il va y avoir encore de la pluie. Mm-hmm. Ça, c'est, et on en a besoin aujourd'hui. Et attendre la période où on fait les estimations de rendement pour avoir une idée. Mm-hmm. En général, c'est aux environs de la deuxième décade du mois de mai qu'on fait une estimation prévisionnelle de ce que nous allons avoir comme rendement et comme production. À la fin de la saison. Voilà. Mm-hmm. Aujourd'hui, doit-on dire que les terres manquent d'eau? Ou bien est-ce que le problème réside dans le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau ou bien qu'elle soit mal desservie en eau, selon vous? Ben moi, à ce sujet, je ne pourrais pas vous répondre parce que M. Zahoun, peut-être il est mieux placé. C'est que le sol en lui-même, lorsqu'il y a une pluie, le sol fait une réserve d'eau. Effectivement, lorsqu'il y a de la neige, c'est encore mieux. Parce que le sol, il a le temps d'absorber les fortes pluies. Même si vous avez 600 mm d'un coup, ça ne sert à rien. Ça va ruisseler, etc. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, le sol présente une assez bonne réserve d'eau avec les pluies qu'il y a eu ces jours-ci. Justement, monsieur, pourrait vous en parler. Ils ont parlé du labour, du dry farming, par exemple, pour éviter. Il y a toutes les techniques culturelles, justement. Pour éviter de gaspiller de l'eau pour augmenter les rendements, c'est pas mon sujet. Moi, je pourrais vous parler, par exemple, il y a des techniques culturelles, il y a aussi l'utilisation de variétés d'espèces qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Et ça, lorsqu'on parle de sécheresse, de changement climatique, là, il faut anticiper. Oui. C'est pas une question de moi, c'est pas une question. C'est une question qui arrive justement. Voilà, professeur Jobat. Sur le plan de la recherche notamment et de la qualité de la semence, voilà. Justement, je repose donc ma question à vous deux, messieurs, par rapport à le manque d'eau ou mauvaise irrigation. C'est les deux. Nous avons un manque d'eau. Et nous avons... Pourtant, on dit que les barrages sont pleins. Oui, mais les barrages sont pleins, mais c'est des barrages qui sont destinés plus à l'AEP, l'alimentation domestique. Domestique, que pour, même si on dit qu'il y a 70% qui est utilisé par l'agriculture. Bon. Des agriculteurs de Bura, qui d'ailleurs sont prononcés pour le compte de collègues d'un journal en ligne, ont dit qu'ils avaient des plantations aux abords des barrages de Tilsdit et de Koudiat-Esseldoun, mais qu'ils ne pouvaient pas profiter des eaux de ce barrage et ils sont en train de voir leurs plantations dépérir. Parce que c'est bien beau d'avoir un barrage, mais il faut équiper le périmètre qui doit utiliser cette eau pour les plantations, là, pour les cultures. Ça, c'est important. Donc, il faut installer ces équipements, il faut, installer tous ces périmètres pour pouvoir utiliser l'eau. Parce qu'il est interdit aujourd'hui d'utiliser directement au niveau du périmètre qui entoure le barrage lui-même, l'eau, au niveau de la... De la réserve d'eau, il faut que ce soit en aval, des équipements. La deuxième des choses, c'est que pour revenir à mal desservir, il y a des périmètres qui sont en fonction,
au niveau de certains barrages. Et le ministère des Ressources en eau est en train de mettre en place tout un programme pour pouvoir équiper les périmètres nouvelles au niveau des barrages nouvellement construits pour qu'ils soient utilisés. Mmh. Et ça fait partie de la stratégie mise en place par le ministère des Ressources hydriques. La même chose pour l'utilisation des eaux de dessalement pour l'alimentation de la population et laisser tout ce qui est eau des barrages pour l'agriculture et l'industrie. Oui. D'accord, ça fait partie aussi de la stratégie. La troisième, c'est au niveau de l'agriculture, mais c'est de mettre en place tout ce qui est comme technique économisatrice d'eau pour pouvoir valoriser au mieux l'utilisation de cette eau. Mm-hmm. Et parmi les techniques, en plus de on a introduit au niveau des agriculteurs la technique dans le domaine de l'agriculture de conservation, l'utilisation de semoirs et de techniques dites de semi-direct où l'agriculteur ne touche pas au sol. Mm-hmm. Et ça, c'est très très c'est très bien, surtout pour les sols fragiles. Et on a des superficies assez importantes en sol fragile, donc il peut semer sans labourer, sans retourner son sol, etc., et avoir une production intéressante. Mm-hmm. Bon. Il faut un équipement spécialisé pour pouvoir utiliser cette technique, c'est des semoirs, etc. Mm-hmm. Mais ça permettrait, à partir du moment où vous ne touchez pas votre sol, tout ce qu'il a emmagasiné comme eau reste au niveau du sol. Et notre problème actuellement, c'est quoi? C'est que au niveau de l'agriculture, les céréaliers utilisent de la jachère, c'est-à-dire une année sur deux, le sol n'est pas cultivé, on va dire, n'est pas ensemencé. Mm-hmm. Donc, j'ai la moitié, je la sème, donc je la laboure au mois de janvier, par exemple. Je la laisse pendant tout le printemps. Ensuite, je fais des façons culturelles pour affiner le sol et je la sème au mois de novembre. Mais pendant toute l'année, elle reste soumise aux aléas climatiques, aux pluies torrentielles, au vent, etc. Ou à la sécheresse, et il y a une forte dégradation de ces sols. Mmh. Et avec le temps, on perd quand même, je crois qu'elles sont chiffrées, si je ne me trompe pas, à 4000 hectares qui sont perdus par rapport à cette technique. Monsieur le Kadik, est-ce que par rapport à la question de mal desservi ou mal qui me préoccupe maintenant, parce que le problème fondamental, c'est un problème de gestion. Moi, je vais vous parler par exemple des domaines autogérés. Quand, après l'indépendance, on a confié la gestion de ces domaines, qui sont très riches d'ailleurs du point de vue potentialité. Mm-hmm. Et donc on les a confiés à des domaines autogérés, à des plans de gestion, mais ce sont des gens qui connaissaient parce qu'ils avaient travaillé avec les colons. Et donc ils géraient plus ou moins bien ces. Ensuite, il y a eu une nouvelle transformation et on a donné les terres à ce qu'on appelait les EAI et les EAC. Allez voir au niveau du littoral. Allez voir au niveau des zones de Sahel, là où il y avait de la vigne, où il y avait de l'agriculture. Maintenant, c'est des bâtiments qui sont construits. Mmh. L'Algérie exportait à un certain moment des pommes de terre de primaire, tout ce qui est au littoral. Vous voyez le littoral à partir d'Alger jusqu'à Cherchel, c'est des bâtiments. C'est le béton qui a pris la place. C'est ça, moi je pose le problème de fond. C'est-à-dire la conjoncture a voulu qu'on parle de la sécheresse, oui. Mais on a toujours eu des problèmes de sécheresse, je me rappelle très bien d'ailleurs. Et de sécurité alimentaire. Dans la CEP, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sécheresses cycliques tous les 10 ans, tous les 8 à 10 ans. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une régulation naturelle du troupeau, c'est-à-dire la moitié du troupeau qui est mort, et automatiquement mais maintenant avec le traitement, avec le système, etc., on laisse le troupeau sur la terre. Et le problème fondamental aussi, on parle de la biodiversité, mais est-ce qu'on a créé des réserves, par exemple pour les réserves fourragères? Tout à l'heure il avait parlé de fourrage. Il y a des fourrages. Il y a des assolements. Moi, je me rappelle aussi que dans l'ancienne, ce qui concerne l'agriculture, il y a des assolements, et à un certain moment, on s'autosuffisait en lentilles, en haricots, etc., parce qu'il y avait, et c'est des légumineuses. Les légumineuses, généralement, elles améliorent le sol. Et donc, ce type de gestion est complètement éludé.
Vous allez voir aussi, par exemple, du côté de... Vous allez voir un petit peu les terres qui sont abandonnées. Des terres agricoles qui sont abandonnées. C'est vrai, vous les estimez à combien, ces terres agricoles abandonnées? Parce qu'il y a le problème de gestion. Non, vous les estimez à combien? Est-ce que c'est une envergure de hectares? C'est pas des terrains perdus. C'est pas des terrains perdus. Mm-hmm. Parce qu'une terre qui n'est pas même ce qui est perdu, c'est les terres urbanisées. Mais les terres qui sont abandonnées, etc., L'urbanisation des terres agricoles, est-ce que c'est un phénomène qui a vraiment une ampleur dangereuse? Très dangereuse, parce que... Et on n'a jamais réellement quantifié le nombre d'hectares qui ont été transformés, qui sont terres agricoles, fertiles, qui ont été transformées On le voit, c'est-à-dire que le problème fondamental, on était 8 millions d'habitants, en 1962, maintenant nous sommes à 40 millions d'habitants. Mmh. Donc il faudrait mettre les gens quelque part. Mmh. Et moi je me rappelle, j'ai écouté une fois à la radio un président d'APC qui n'avait pas de terrain pour construire des HLM. Il avait dit, mais le domaine autogéré, qu'on peut prendre les terres. Oui, il faut que... Et des arbres ont été arrachés par certaines wilayas. Les vidéos circulent dans les réseaux sociaux également. Quand je prends le Sahel, que je connaissais auparavant, parce que moi j'ai fait l'INA de l'Arrache, et on me venait avec les professeurs pour voir où il y avait une activité agricole très intense. Mm-hmm. Et quand je vois maintenant des HLM qui sont partout, mais comment on va faire dans quelques temps pour... On n'a pas une terre qui est urbanisée, définitivement. Si vous voulez réagir par rapport à cet aspect, qui est, je le rappelle, une petite entrave, une parenthèse dans notre débat, l'urbanisation des terres agricoles. Un mot et on revient à la semence. Ça c'est fait, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a une loi sur le foncier qui interdit totalement l'utilisation ou de prendre possession de terres agricoles pour un besoin de construction, etc. Tout est soumis maintenant pratiquement à décret présidentiel pour prendre ne serait-ce que 1 mètre carré. Mmh. Des terres agricoles qui sont du domaine privé de l'État. Hein. Bon, parce que le reste au niveau des privés, c'est leur... Ils font ce qu'ils veulent de leur propriété. Pas maintenant, pas avec la nouvelle loi sur le foncier. Mm-hmm. Celles qui sont délaissées, elles sont pas très importantes. La superficie n'est pas très importante. Mm-hmm. C'est surtout le problème d'indivision, d'héritage, etc. Mm-hmm. Et donc, c'est délaissé en attendant de pouvoir les reprendre dès qu'il y a une prononciation de la part de la justice. Mais nous avons, c'est vrai, nous avons pratiquement 2,5 millions à 3,5 millions d'hectares qui ne sont pas ensemencés chaque année. C'est-à-dire qu'actuellement, la superficie agricole utile de l'Algérie, elle est de 8,5 millions d'hectares. Sur ces 8,5 millions d'hectares, 5,5 à 6 sont réservés aux grandes cultures. Sur pratiquement 50% de cette somme, elle est laissée en jachère chaque année. Mmh. Et ça facilite et ça augmente la dégradation des sols, la mauvaise valorisation, parce que ça ne produit pas. Mmh. Pour l'agriculteur, c'est une perte. Pour l'État et l'économie de l'Algérie, c'est une perte. Et pour la qualité du sol également, il y a une diminution de la qualité. Oui, oui, parce que quand il y a des pluies très fortes, torrentielles, elles emportent avec elles tout ce qui est riche, matière riche au niveau du sol, ce que nous appelons nous les limons. Alors justement, en parlant de... Terminer, c'est que cette année, à partir dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019, il a été décidé de mettre en place tout un programme, on a adopté une stratégie pour mettre en place sur cette superficie en jachère, d'utiliser au moins sur les 4 années qui restent 500 000 hectares où nous allons mettre des fourrages et des légumes alimentaires, lentilles et pois chiches, pour s'autosuffire pour ces deux espèces. Mm-hmm. Et pouvoir produire du fourrage vert, surtout pour tout ce qui est bovin laitier, puisqu'il y a un programme très important pour la production de lait. Oui. Donc, réduire au maximum
tout ce qui est importation de produits alimentaires. Produits laitiers. Pour rester dans la dépendance alimentaire, ou plutôt la sécurité alimentaire, c'est ce qu'on espère pour l'Algérie. Il est question aussi, en annexe par rapport à ce problème de pluviométrie, de recherche. Des recherches sont menées à travers le monde, et je pense qu'en Algérie aussi, vous allez me le dire tout de suite, pour faire en sorte que les cultures puissent résister au stress hydrique, au manque, déficit de pluviométrie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Reda Djuba, en termes de recherche pour trouver des semences qui résistent à cela? Effectivement, bon, on va parler de tolérance à la sécheresse. Voilà, c'est la tolérance. C'est effectivement, partout dans le monde, il y a des recherches qui sont menées par rapport à la tolérance, pas seulement à la sécheresse, aux températures, ce qui nous menace. Adaptation, on va dire. Adaptation au milieu, au milieu dans lequel on plante. Oui, en termes d'effet d'agouche. Non, c'est tout ce pas le adaptation, non, adaptation, c'est quelque chose de différent. Voilà, c'est une tolérance. Celles qui sont adaptées, elles sont adaptées. Elles vivent dans le désert, elles sont adaptées. Et ça, c'est un gisement énorme. En termes de biodiversité, je vais en parler dans une minute. C'est la tolérance à l'augmentation du CO2, par exemple. Le CO2 va augmenter, etc. Bon, on suppose que le CO2 va permettre l'augmentation de la biomasse. Pour parce que bon, la plante fait de la photosynthèse, etc. Il y a beaucoup d'études qui sont menées par rapport à l'ozone, par rapport à la sécheresse, par rapport aux fortes températures, etc. Mm-hmm. Et à la pollution. Il y a beaucoup d'études qui sont menées dans le monde. Et pour mener ces études-là, bon, c'est surtout du point de vue... Bon, pour faire simple, là, pour sélectionner des variétés tolérantes, il y a l'ancien système, c'est une sélection. On fait des croisements. Tout bête, c'est le paysan, c'est ce qu'elle a toujours fait. Il sélectionne les meilleurs individus, etc., qui existent. Il fait des croisements, il obtient donc des lignées. Maintenant, il y a le gène génétique. Et bien, le gène génétique, ça permet, ça va plus vite, ça permet, mais ça demande beaucoup de moyens. Qu'on n'a pas nous, personnellement, je n'ai pas ça au niveau de mon laboratoire. En Algérie, c'est assez rare qu'on ait tous ces moyens-là. Dans le monde, il y a les grandes boîtes, la plus emblématique, c'est Monsanto, qui fabrique des semences, des OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés, pour être plus précis, plantes génétiquement modifiées. Ces plantes-là, tant décriées dans le monde, mais pas dans les pays sous-développés, c'est surtout dans les pays développés qui pensent plus en termes d'environnement, d'écologie. Peut-être de marché aussi. Voilà, bien sûr qu'il y a un marché. Il faut qu'il y ait un bénéfice quelque part. Ils ne font pas pour les à titre philanthropique. C'est de grandes boîtes internationales. Mm-hmm. Mais maintenant, s'il y a des OGM, des PGM, qui permettent... PGM, c'est-à-dire... Plantes génétiquement modifiées. OGM, ça peut être un animal, une bactérie. Organisme, oui. Voilà, pour rappel, le premier OGM, ça a été fait en 1973, c'est l'introduction d'un gène de bactéries, d'amphibies, de batraciens africains dans une bactérie. En 1984, on a fabriqué des bactéries capables de fabriquer, de produire de l'insuline. Mm-hmm. Et en 1994, la première pomme de terre, donc le premier PGM pomme de terre, qui était résistante à la doryphore. Voilà, qui a été commercialisé. C'est un insecte nuisible. Mm-hmm. Donc, ça a été commercialisé, mais plus maintenant. Donc, ça donne à peu près date 73, soit 84, mm-hmm. 94, première plante. Et aujourd'hui, si vous voulez que j'en parle un peu, c'est justement, c'est ça l'intérêt. C'est l'anticipation. Notre pays risque, comme l'étude l'a montré, d'avoir beaucoup moins d'eau. Oui. Donc, il faut penser à des espèces, à des variétés qui peuvent tolérer cette sécheresse. Est-ce que des études sont menées actuellement? En Algérie, il y a beaucoup d'études qui sont menées dans beaucoup de laboratoires. Nous-mêmes, on travaille sur le stress hydrique. Bon, mais ça reste, à mon avis, ça reste cantonné au laboratoire. On fait des recherches. Alors, il y a des recherches qui ne sont pas très coûteuses. Ça permet d'avoir des indicateurs de tolérance, de sensibilité à la sécheresse, etc. Ce mm-hmm. qui peut accompagner les utilisateurs dans le choix, dans la sélection des semences. Des semences. Mm-hmm. Il y a des données qui sont nécessaires aux agriculteurs. Les agriculteurs, par exemple, mm-hmm. ou les vulgarisateurs, ceux qui font de la vulgarisation mm-hmm. agricole. Il y a la recherche plus lourde qui est du domaine de la biologie moléculaire. Ça permet de fabriquer. Et plus coûteuse, j'imagine. Voilà, beaucoup plus coûteuse. Et lorsque je parle justement de la biodiversité, ça consiste, c'est simple, ça consiste à prendre un gène contenu dans une plante qui vit dans un milieu qui demande très peu d'eau et de l'injecter dans une plante cultivée. Je vous donne un exemple. Mm-hmm. On a injecté un gène de sorgho
qui est tolérante à la sécheresse. Le sorgho qui est Le sorgho, c'est une grande minerie qu'on étudie surtout dans les pays subsahariens. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Donc, ici aussi, il y a très peu, c'est-à-dire elle est très consommée dans les sinon elle n'est pas très consommée. Donc, on a injecté le gène dans du maïs. Il se trouve que donc, ça permet au maïs d'être plus tolérant à la sécheresse, d'augmenter, je pense, de 20% de 20% de la production. On a injecté aussi le riz, le maïs. On a fabriqué des transgéniques, des OGM transgéniques résistants à la sécheresse. Ça permet donc, par rapport au riz, au maïs, etc., on a juste injecté le gène d'une bactérie qui fabrique du tréhalose, qui est un sucre, et qui permet aux organismes vivants de résister à la sécheresse. Et qu'on retrouve justement, pour revenir, qu'on retrouve dans les espèces qu'on appelle de résurrection, et qu'on trouve chez nous dans le désert. Mais est-ce que ces recherches ont été amenées sur le terrain? Est-ce que ces résultats ont été utilisés, employés par les agriculteurs? Pas ma connaissance. Comme vous disiez, il manque le link, la coopération, il manque beaucoup de coopération. Sortir nos travaux du laboratoire, les utilisateurs doivent aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les laboratoires. Il faut que chacun fasse un pas, mais il y a aussi les moyens. Il faut dire, il faut quand même être réaliste. Pragmatique, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire face à. Il faut dire que durant ces 3 ou 4 années, on n'a pas eu de budget conséquent pour la recherche. On attend justement. Vous parlez de l'USCHB ou des laboratoires de recherche de manière. Non. On attendait que la loi d'orientation sur la recherche soit publique. Elle a été votée effectivement. Elle a été publiée en janvier. Et on s'attend maintenant à ce qu'il y ait une budgétisation de la recherche conséquente, bien sûr. C'est pourtant un problème qui se pose avec acuité. Est-ce que l'ITGC a, de par ses objectifs et ses missions, la recherche, ce dont parlait docteur Nous ne sommes pas un institut de recherche. Nous sommes un institut de développement. Mais vous êtes en contact avec des études qui sont, chargées de recherche Non, mais nous faisons de la recherche, même si nous n'avons pas ce statut-là. Actuellement, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous essayons de développer, nous sommes en train de développer des variétés qui sont tolérantes au déficit hydrique, à la sécheresse, que ce soit pour les légumineuses alimentaires ou là pour les céréales, surtout pour les céréales. Et donc, nous avons un programme en collaboration avec l'Institut National de la Recherche Agronomique pour développer des variétés de blé. Et nous, actuellement, pour vous dire, donc depuis 1995, nous n'importons pas de semences, de céréales de l'extérieur. Toutes les semences qui sont mises en place, qui sont utilisées par les agriculteurs, qui sont vendues sur le marché, sont issues du programme d'amélioration génétique mis en place au niveau national, deux programmes de production de semences qui est mis en place par l'Institut technique d'agriculture et qui va vers les coopératives pour être distribué au niveau des agriculteurs. Certes, il y a quelques établissements privés semenciers qui importent des semences de l'extérieur, de céréales par exemple, ou de légumineuses foragères, ou légumineuses alimentaires, mais les quantités sont très faibles, ça n'atteint même pas 1%. Ce qui est très important, sachant que les semences importées généralement d'Europe ne correspondent pas, en tout cas pour ce paramètre hydrique, ne correspondent pas au sol et aux exigences climatiques. On a la chance d'avoir un pays où il y a pratiquement tous les climats. Depuis la région de Gégel où il tombe pratiquement presque 2 mètres d'eau, jusqu'aux régions désertiques où il n'y a pas. Et donc, si on fait un travail de terrain, c'est-à-dire s'il y a des équipes qui vont sur le terrain, les Français, quand ils sont venus en Algérie, ils n'ont pas ramené des blés durs ou des blés tendres dans leur poche. La première des choses, ils se sont déplacés dans les différentes régions et ils ont créé des variétés qu'on appelle les variétés Mohamed Mbouchi, la variété Edba 3, la variété. Il y a des dizaines de variétés qui sont adaptées dans chaque milieu. Est-ce qu'elles existent toujours Ça existe, mais vous savez que du point de vue génétique, une plante pendant 30 ans, elle va perdre un petit peu de ses facultés, elle va pouvoir la refoncer. L'érosion hydrique. Donc, d'une part et d'autre part,
Tout à l'heure, il avait dit qu'il n'y avait pas de... Mais je pense que maintenant, avec toutes les universités qui sont réparties à travers le territoire national, il faudrait maintenant qu'on s'occupe... le problème de biotechnologie, c'est bien. Mais le problème aussi, c'est qu'on a des variétés qui sont en train de disparaître sur le terrain. Et au niveau de la steppe, ou là, au niveau des terres agricoles, même les variétés de blé. Moi, j'étais dans les Aurès. Vous savez, chaque versant a sa variété de blé. Il y a une variété de blé qu'il appelle Romané, qu'il appelle, etc. Et ce sont des variétés qui sont en train de se perdre parce que ce problème d'urbanisation, on urbanise non seulement, mais on urbanise aussi le milieu agricole. Donc, toutes ces variétés vont disparaître. Notre stratégie, c'est d'abord d'avoir une vision globale pour pouvoir un petit peu rentrer dans au diapason un petit peu des recherches pour les variétés locales. Et le changement climatique, une plante, quand vous la mettez dans un endroit, elle arrive à prendre des dispositions, par exemple pour les graminées, s'il n'y a pas d'eau, assez d'eau, elle va étendre son système racinaire. Donc il y a une faculté innée dans les plantes qui leur permet aussi de pouvoir s'adapter, mais il faut leur donner le temps. Ouais. On ne perd pas le temps du point de vue. Avons-nous perdu beaucoup de variétés importantes en Amazonie? Non, je dirais, parce que toutes les variétés qui ont été produites depuis l'indépendance à ce jour, pratiquement, nous les avons en collection au niveau de l'Institut. De plus, c'est que nous sommes en train d'utiliser ce patrimoine génétique local dans le cadre du programme d'amélioration génétique avec d'autres variétés pour créer de nouvelles variétés qui sont, je dirais, plus tolérantes à la sécheresse ou qui s'adaptent mieux à nos conditions. Mmh. Et une fois que ce matériel génétique est fabriqué, on va dire, il est mis en essai à travers les différentes zones agroécologiques. Mmh. Et c'est à partir de là, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est à partir des résultats dans chaque zone qu'on sélectionne ces variétés. Soit c'est une variété qui est plastique, ça veut dire qu'elle se retrouve adaptée à Sétif, à Tiaret, à Saïda, etc. À plusieurs régions. Mm-hmm. Plastique, c'est plusieurs régions. Ah, oui. Ou bien c'est une variété mono-espace. Ça veut dire que je vais la sélectionner uniquement pour la région de Sétif, parce que c'est là où elle a donné de très bons rendements, qu'elle s'est très bien exprimée, alors qu'ailleurs, elle n'a rien donné pratiquement. Et nous faisons aussi les essais pour valoriser, je dirais, le millimètre d'eau. C'est-à-dire que nous essayons d'identifier les variétés dans les essais que nous mettons en place, expérimentaux, les variétés qui utilisent au mieux l'eau. Parce que même pour l'utilisation de l'eau, il y a des variétés, vous mettez 10 variétés, vous aurez une variété qui va utiliser 100 mm d'eau pour produire, je dirais, un quintal, et vous aurez une variété qui va utiliser le millimètre d'eau pour produire avec 20 kilos. Qui gaspille. Donc, c'est pas la peine. Et donc, comme ça, on oriente même certaines variétés vers les périmètres en irrigué, etc. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, donc, nous avons... Pourquoi nous ne cultivons pas, même si nous les avons toujours, on va dire, au niveau de nos collections, parce qu'on ne peut pas parler de manque de gènes, parce que nous n'en avons pas encore une. Nous les avons retirés parce que le matériel végétal que nous avons introduit au niveau local, à partir de notre programme d'amélioration, est plus performant que les variétés. C'est vrai que peut-être sur le plan qualitatif, Mahmoud Bachir, qui a un gros grain, etc., est très bien pour pouvoir faire du fric. D'accord, par contre, je prendrai Boussalem, qui est une nouvelle variété qu'on a introduite. Elle fait du 50 quintaux hectare. Oui. Mahmoud Bachir, vous lui donnez l'eau que vous voulez, les quantités d'eau, vous le mettez en mes conditions, il ne peut pas, maximum, il donnera 50% de ce que donne Boussalem. Donc l'agriculteur, c'est un acte commercial, il veut gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il cultive sa propre variété pour ses besoins alimentaires, faire son couscous et son fric sur une petite superficie dans son exploitation. Et la plus grande superficie, il prend la variété potentielle à haut rendement pour pouvoir
la, mieux valoriser sa terre et avoir gagné plus d'argent pour pouvoir améliorer, je dirais, le revenu du ménage. Il nous reste encore quelques minutes sur cette thématique qui porte sur le stress hydrique et l'adaptation des cultures pour évoquer le lien, encore une fois, entre université et laboratoire de recherche. Est-ce que des possibilités de partenariat sont envisagées entre chercheurs et gestionnaires, finalement, tels que les différentes structures du ministère de l'Agriculture qui gèrent les banques de semences, notamment? Nous sommes actuellement, si je ne me trompe pas, nous avons au niveau du ministère de l'Agriculture 14 institutions qui sont chargées du développement et de la recherche. L'INRF, c'est la recherche, l'INRA, c'est la recherche. L'ITDAS s'occupe de tout ce qui est désertique, enfin désert, Sahara, culture saharienne. L'ITEF, c'est tout ce qui est élevage. L'ITCMI, c'est tout ce qui est culture maraîchère. L'ITAF, c'est tout ce qui est arboriculture. Chacune de ces institutions a des conventions de partenariat avec les universités. Nous avons des cadres de nos institutions qui poursuivent des études au niveau de l'université sur des thématiques qui sont propres au développement de l'institution, on va dire, d'accord. Pour nous, ce sera les céréales, les légumes alimentaires, et sont encadrés par le personnel de l'université, et nous recevons aussi les étudiants pour les stages, pour les formations, pour les sorties, etc. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de programme commun de recherche. Aujourd'hui, moi je dis que l'université est complètement out de la problématique de l'agriculture sur le terrain. Un dernier mot, puisqu'il nous reste très peu de temps. Vous ne représentez pas l'université de manière générale, bien entendu. Vous êtes maître de conférence, directeur de recherche. Mais de votre point de vue, en tant que chercheur au sein de l'université algérienne, comment vous voyez la chose? Bon, moi, je crois que ce qu'il faut, il faut dire que, du point de vue recherche, déjà, l'Algérie a un grand retard en termes de ratio chercheurs par million d'habitants. Elle a un retard. Il faut produire encore plus de chercheurs, et il faut que c'est les centres de recherche, etc., les instituts qui doivent faire de la recherche-développement, il faut leur former les cadres nécessaires. Maintenant, les cadres, ceux qui ont un doctorat, ceux qui ont un haut niveau, ils rejoignent l'université. Pour une raison de salaire, pour d'autres commodités, etc. Il faut fournir les moyens aux centres de recherche, aux instituts, pour que la recherche s'effectue effectivement. Lorsqu'on parle de conventions, il y a plein de conventions que j'appelle moi des conventions du tiroir. On en fait, on les met dans le tiroir. Maintenant, il faut. Elles ne sont pas appliquées. Voilà, qui ne sont pas appliquées. On appelle entre l'université, différents secteurs, etc. J'espère qu'avec cette loi, la nouvelle loi d'orientation de la recherche, ça va changer un peu, parce qu'il y a, il prévoit justement le travail commun des équipes communes, etc. Ce qui existe ailleurs, en France par exemple, il y a ce qu'on appelle des unités mixtes entre l'université, les centres de recherche liés au ministère de l'Agriculture, etc. Donc il faut, et pour ça, il faut qu'il y ait une souplesse au niveau de la recherche, n'oublie pas aux mêmes lois que d'autres secteurs, que l'administration, finalement. Il faut qu'il y ait beaucoup de souplesse. Il faut qu'il y ait qu'il y ait dans la gestion, bien sûr, les moyens sur la voie. On ne peut pas faire de la recherche. L'investissement. Je pense que le problème, ce sujet de sécheresse que vous avez bien fait d'évoquer dans cette émission d'aujourd'hui, a surtout offert un prétexte pour parler de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on a été habitué à importer du blé. On est l'un des plus grands importateurs de blé dans le monde. Oui, l'un des plus grands importateurs. Alors que on devrait essayer d'investir, il n'y a pas que le blé, on a importé n'importe quoi avec la manne financière qu'on avait. Il faut penser quand même à investir cet argent dans le potentiel humain, le potentiel scientifique, il faut penser à l'avenir. Et je pense que ce problème de sécheresse ça va nous permettre de réfléchir justement comment avoir notre indépendance et notre sécurité alimentaire, mais en s'appuyant sur le potentiel humain. Sur le potentiel humain. Merci. Dereda Djoubar, docteur Djoubar Reda, je rappelle
que vous êtes docteur d'état en biologie végétale, maître de conférence à l'USTHB. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Il nous reste plus de temps malheureusement. Ben, chez le CADIC, merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes expert forêt, agriculture et biodiversité. Omar Zerouane, directeur général de l'ITGC, l'Institut technique des grandes cultures. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette thématique sur le stress hydrique. On espère toutefois que la pluie arrivera et n'arrivera pas trop tard. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous pouvez suivre la rediffusion demain à partir de 11h. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.